Bonjour tout le Salut. monde. Bonjour Mathieu. Bonjour Thomas. Bonjour Nathalie. Nous voici en direct bien du Festival des Jeux de Vichy. Alors c'est un festival un petit peu particulier puisque pour la deuxième année consécutive, le festival est séparé en deux parties. Il y a une partie qui est la partie pro et une partie ouverte au public qui sera donc la semaine prochaine. Donc et bien pendant 3 jours, on va avoir accès à toutes les nouveautés. Alors c'est un peu le public n'y aura pas accès, donc on a un petit peu plus l'occasion de jouer à pas mal de choses. Comme pour tous les salons, vous connaissez la formule maintenant. On va jouer et puis en fin de journée, on va vous débriefer un petit peu ce sur quoi on a joué, quels ont été nos retours, nos ressentis. Alors, il faut toujours garder en tête que c'est toujours des ressentis salon. Donc, c'est toujours une ambiance un petit peu particulière et toujours sur une partie. Donc, forcément, c'est des avis toujours un petit peu à chaud. Est-ce que vous êtes prêts? On part pour cette première vidéo? Eh bien, allez, on est parti. Bah, c'est Mathieu qui va commencer. Alors, Mathieu, on va être indulgent parce qu'il a commencé par perdre quelque chose dans ce salon. Sa voix, voilà, malheureusement. Donc, tu vas commencer de nous parler de Empire's End. Ah, à toi, Mathieu. Mais très bien. Bah, tu commences par celui-là. Empire's End, c'est un jeu de tableau destroying, on parle souvent de tableau building. Là, on commence avec son tableau fini, on a son empire, et il y a des calamités qui vont nous arriver dessus. Par exemple, ça va nous détruire la tuile qu'on a à l'emplacement 9, mais attention, on peut se prémunir de cette destruction en payant des ressources. Chacun à son tour, on va choisir de payer une ressource pour éviter la catastrophe. Il y a une personne qui va dire « Ah, j'en ai marre, je récupère le truc, je retourne ma tuile, elle me fera plus de points. » Et du coup, je vais récupérer les ressources et un power-up qui est sur la carte qu'on va glisser sous nos tuiles. Et donc, en gros, la compensation de perdre ses points, c'est de gagner plein d'autres choses. Et donc, tu vas devoir gérer, sachant que de toute façon, tu vas perdre beaucoup, beaucoup de tuiles. Mais il va falloir gérer quelle tuile je perds, comment je me renforce. Et c'est très intéressant de penser l'enchère à l'envers, de détruire ton moteur et d'en construire un autre en même temps. Ça marche bien, c'est rigolo, ça dure 1 heure. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien, mais ça met la pression. C'est agressif. Ok, ouais, je t'ai vu à la sortie de ta partie, vous étiez 3. Effectivement, vous avez l'air d'être 3 à être ouais, bien. Ouais. Ouais, j'ai un peu envie d'y aller aussi. C'est un peu taquin, c'est un peu vénère. Ok. Donc une bonne première surprise. Une bonne première surprise. Après, je m'attendais à voir parce que j'avais vu la cover sur BGG et j'imaginais le jeu énorme. Mais en fait, c'est une petite boîte très très humble. Alors que le jeu dedans, il est un peu musclé, quoi. Okay. Très bien. Et alors à mon tour, moi je vais vous parler de Vagrant Song. Alors Vagrant Song, c'est un jeu en campagne. C'est-à-dire que vous allez jouer des scénarios. Donc le jeu est assez classique dans son fonctionnement. C'est vraiment du dungeon crawler classique. C'est même du boss battler quasiment. C'est du boss battler, mais complètement. C'est-à-dire du boss battler. Donc vous allez jouer des vagabonds qui sont dans un train fantôme. La mécanique est vraiment très simple. À notre tour, on va avoir des points d'action à dépenser. On a le boss qui va se déplacer. Et alors ce qui frappe vraiment sur le jeu, c'est le style graphique dont on n'a pas l'habitude, qui est vraiment sur ces anciens cartoons, vous savez, un peu comme le jeu Cuphead. Avec ces personnages très ronds, très reconnaissables. Donc nous on a fait une première partie à 3, donc le premier scénario. Je dois dire que je suis encore un peu réservé pour le moment. C'est-à-dire sur les mécaniques, on est assez classique. On était sur un environnement un petit peu vide au début. Mais j'ai envie de voir où le jeu va amener en termes de scénario, parce que voilà, il y a 26 scénarios, il y a vraiment, on va faire monter nos personnages, ainsi de suite, donc il y a ça qui va être intéressant. Et il y a un truc à noter sur le jeu, sur la réalisation au niveau du matériel, c'est qu'ils ont fait des silhouettes en acrylique. Et ça, j'ai l'impression que c'est la nouvelle mode, il y a 2-3 jeux qu'on a vu là-dessus, et c'est vrai que c'est vraiment super chouette, ça donne tout de suite quelque chose sur la table de vraiment, vraiment intéressant. Bah, c'est un peu comme si t'avais une figurine peinte. T'as ce relief et en même temps la transparence, c'est quand même assez agréable à regarder. Ouais, non, c'est vraiment assez chouette. Donc voilà, un jeu sur lequel je suis encore réservé, mais qui à mon avis mérite d'être creusé. Voilà, on peut pas se faire un avis au bout d'une partie. Est-ce que c'est vraiment parce que c'était un peu vide que t'es réservé ou C'était un peu vide et les mécaniques étaient un peu légères. Okay. Et du coup, j'attends de voir ce que le jeu va m'offrir. C'est que la première partie. Mais du coup, c'était le tuto. C'est ça. Si jamais vous jouez à Joseph the Lion, vous jouez au premier scénario, vous allez être hyper réservé. Donc c'est un petit peu pareil. Nat, je te passe la main. Toi, tu vas nous parler de Motu, si j'ai bien compris. Motu. Ça doit être le nom d'une île parce que ça se passe. On commence à partir d'un village qui est une carte qu'on pose sur notre table. Et ensuite, à chaque tour, on va aller choisir une carte dans la rivière avec plus ou moins des noix de coco qu'on va poser, reprendre. Système classique de rivière, quoi. Et on va petit à petit construire notre village autour en devant. Toujours superposer la carte qu'on va prendre sur un des icônes. Donc, on va recourir petit à petit. À la fin d'une première manche, on va scorer une des parties. Il y a 6 trucs à scorer. À la deuxième manche, on va scorer 2 choses, puis 2 choses qu'on n'aura pas déjà scorées à la première.
et à la troisième, donc du coup, les trois autres choses qu'on n'aura pas encore scorées. Donc ça, c'est sa construction de tableau à soi. En fait, on essaie d'estimer un petit peu à chaque fois comment ça va évoluer en fonction des cartes qu'on va prendre et comment faire le maximum de points. Et après, on va aussi pouvoir prendre des objectifs et il va y avoir des points aussi à faire sur des majorités. Donc il y a cette interaction quand même sur la prise de cartes en contre contre les autres et les majorités. C'est un jeu de Scott Helms qui est capable de un petit peu tout. Celui-là, il passe plutôt bien. J'y rejouerai avec plaisir. Et ça sort fin octobre chez Ghost Dog. D'accord. Je t'en passe. Merci. Bah, je reviens vers Mathieu. Tu vas nous parler d'un Star Wars Unlimited. Ouais, alors Unlimited comme les formats de Magic. D'accord. Parce que c'est un jeu de cartes à collectionner. On va revoir des trucs qu'on a déjà vus chez Magic, chez Lorcana, chez plein d'autres JCC. Donc c'est un jeu de cartes dans lequel on compose son paquet. On a un personnage et une base. Le personnage et la base vont nous donner un petit peu ce qu'on va pouvoir jouer comme typologie de cartes, mais aussi des pouvoirs. Le personnage, par exemple, moi j'avais Dark Vador. Dark Vador, bah, peut l'activer pour qu'il fasse des petits dégâts. Luke Skywalker, il met des boucliers. Et donc, on a des unités en fonction. À chaque tour, on va pouvoir placer une des cartes de notre main en ressources, comme dans l'Orcana avec l'encre, et les incliner pour jouer nos cartes. Nos cartes, elles arrivent inclinées aussi, elles ne peuvent pas agir le tour où elles arrivent en jeu, elles peuvent avoir des effets d'arrivée en jeu, et on essaye de réduire la défense de la base adverse à néant. Les unités qu'on va jouer, elles sont soit dans l'espace, soit sur Terre, et du coup les unités sur Terre peuvent attaquer la base, ou d'autres unités terrestres, et la même chose pour les unités spatiales, qui peuvent ne s'attaquer qu'entre elles. Et donc t'as un jeu où il faut avoir un petit peu des deux, et on va dire l'originalité, c'est que tu vas pas faire ton tour de façon dépliée, tu vas pas faire tout ton tour. Quand tu vas jouer un tour avec ton adversaire, tu vas faire ta première phase, ta première action, ton adversaire fait sa première action, et deuxième action, jusqu'à ce qu'un joueur passe. Après, il est hors du tour et l'autre joueur peut continuer. Et en fin de tour, on repioche deux cartes et on passe à la suite. Alors, c'était des decks de démo, c'est très prometteur. Maintenant, c'est un jeu dans lequel on va vraiment avoir toutes les sensations de l'opposition contre l'adversaire. Et c'est un jeu, moi les graphismes m'ont pas séduit, parce que c'est très cartoon, mais ça reprend les visuels des films. Du coup, c'était un entre-deux qui me plaisait pas vraiment. Et je suis pas un grand fan de l'univers Star Wars, du coup je m'en fiche un peu des personnages. Mais il y avait des actions rigolotes, par exemple, à un moment j'ai pu dire « Je suis ton père », et du coup c'est une action qui met plein de dégâts. Et là, le personnage peut dire « Non !» Il peut refuser. Et du coup, moi, ça me fait piocher des cartes. C'était rigolo. Et il y a des cartes comme ça qui sont bien vues. En plus, votre personnage, il a une action épique. Il peut se transformer et arriver sur le champ de bataille. Au lieu de faire des petits dégâts, bah, t'as Dark Vador qui arrive avec ses gros sabots et qui défonce tout. Et ça marche bien. En fait, c'est des façons de revenir un peu dans la partie ou d'avoir des coups d'accélération. Et c'était très agréable à jouer. C'est très bien fait. C'est du FFG comme on le connaît. Même plus abordable que des jeux comme Horror Arkham ou L5R. Et c'est bien un JCC, c'est pas un JCE? C'est un JCC, oui. Ok. Et bien, puisqu'on est dans les JCC, je propose qu'on y reste, puisque moi, je vais vous parler d'Altered. Alors, c'est un jeu auquel tu as joué aussi, je crois, oui, si je ne me trompe pas. Donc, c'est aussi un JCC, c'est aussi un jeu d'affrontement. On fait son deck et puis on va s'affronter. Mais là, c'est beaucoup plus zen comme affrontement, c'est ça. J'allais dire, là, pour le coup... il a plusieurs originalités. Alors, on retrouve la méca dont tu viens de parler, de un joueur va faire une action, puis un autre qui fait une action jusqu'à ce qu'on ait passé. Et à ce moment-là, on résout un petit peu ce qui se passe. Dans celui-ci, on va pas vraiment s'affronter. En fait, on va avoir de chaque bout d'une piste, on aura notre héros et puis un de ses alliés. Son compagnon, voilà, qui est un peu un animal en général, un animal fabuleux. Et il va falloir que les deux se rencontrent. Et donc, en fait, à chaque tour, quand on va jouer des cartes, on va les jouer d'un côté ou de l'autre de la piste pour aller aider l'un ou l'autre des deux personnages. Et chaque fois qu'on va jouer des cartes, ces cartes, elles vont pouvoir agir, elles vont avoir de la force sur un des trois types de terrain. Et en fait, à chaque fois, on va regarder pour chacun des types de terrain quelle majorité on aura. Et chaque fois qu'on a la majorité, on pourra avancer. Alors, chaque personnage peut avancer qu'une fois. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, on a un affrontement qui est vraiment indirect. On est vraiment sur « je vais jouer de la majorité ». Et surtout, moi, l'autre originalité, et ça, c'est ça qui m'a plu dans le jeu, c'est que c'est un jeu où on ne construit pas, puisque toutes les cartes qu'on a jouées quasiment, elles partent à la fin de la manche. Et donc, il faut constamment se réinventer et revenir en arrière. Et ce qui fait que il y a vraiment un côté rythme de tiens, j'ai joué cette carte-là parce que il faut que j'ai en tête que peut-être je vais pouvoir la rejouer la manche prochaine. Parce qu'effectivement, tes cartes, elles vont dans une zone déco où tu peux les rejouer une fois.
Mais par contre, après, ben, tu vas les défausser pour de bon. C'est ça, avec un coût en plus pour les rejouer qui n'est pas le même. On va avoir des factions qui sont très asymétriques. On retrouve justement ce côté de je mets mes cartes comme du mana pour faire du mana. J'avais rejoué à Magic cet été et c'est vrai que la gestion des terrains dans Magic, maintenant, on se dit, c'est tellement vieillot. Ce système-là est tellement, tellement plus simple, plus agréable. Alors après, voilà, moi, j'ai retrouvé... J'ai bien aimé, le jeu m'a bien plu. Après, j'ai toujours des limites sur ces JCC quand on joue comme ça, parce que on se rend compte quand même qu'une fois que le deck est fait, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir beaucoup de contrôle. On se dit, bon, bah voilà, ça dépend de comment mon deck est sorti, au moins en tant que débutant. Et c'est vrai que l'intérêt reste, à mon avis, sur la création du deck, et c'est là où ce sera intéressant. Là, c'est un jeu qui propose 6 factions au moins, je crois, différentes, qui ont l'air d'être vraiment, vraiment asymétriques. Donc, il m'a titillé. Titillé. Et puis, c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. En plus, il y a un modèle économique un peu particulier parce que tu vas scanner tes cartes une par une. Tu as des QR codes uniques. Et en fait, tu vas pouvoir les imprimer à la demande. Et donc, si jamais tu achètes une carte à, disons, un japonais, tu lui achètes le token et dans l'appli, tu vas pouvoir récupérer la carte et l'imprimer en français. D'accord. Ok, bah je savais pas. C'est ça, intéressant. C'est quand même assez cool. C'est quand même assez fou. Il y a effectivement un autre truc particulier, c'est que tu vas avoir des mêmes cartes. C'est la même carte, mais il y a une version rare, il y a une version commune, et la version rare aura juste un effet en plus. C'était assez surprenant. Ou un petit boost de stats, ouais, c'est ça, enfin, un voilà. petit truc. Et c'est voilà, donc c'est plein d'originalité, justement où j'ai l'impression que les JCC reviennent. Enfin, je veux dire, on le voit avec leur canard, on le voit avec tout ça. Là, celui-ci m'a dit, tiens, il y a 2-3 trucs qu'on n'a pas vu ailleurs, et c'est peut-être moi celui-là qui m'a plus attiré. Ouais. Nathalie, on te passe la main pour le mot de la fin, pour le dernier, ce sera la Fabrique à rêves. Avant d'aller dormir. C'est effectivement un jeu où on va jouer en coopératif sur on s'endort et pendant notre rêve on va alors on s'endort pas réellement hein, mais on va voir des mots, on va imaginer que au réveil on va vivre une nouvelle vie. Donc on va avoir 5 rêves comme ça à complémenter chacun à son tour en mettant des mots. Donc expliquer comme ça ressemble vraiment très fort à Perfect World, qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais. Et effectivement, ça s'est construit un peu de la même façon. C'est pas les mêmes auteurs, hein. Là, c'est Antonin Bocara et Romaric Galounier qui ont travaillé là-dessus. Je suppose qu'ils en arrivent un petit peu au même développement, mais à la même méca, mais en partant de autre chose. Et là où ce jeu va sans doute nous pousser ailleurs, là, on était juste sur une partie d'initiation, c'est qu'il va y avoir plusieurs niveaux. Avec des rêves de plus en plus précis, des contraintes un petit peu plus fortes, qui ne sont pas des contraintes en fait, qui sont une voie qu'on nous donne pour avoir un thème fort en fait pour les rêves qu'on va devoir définir. Après avoir joué à Perfect World, je veux dire que c'est pas vraiment une révélation de jouer à ça. Par contre, ça reste hyper chouette et puis un petit peu plus onirique pour le coup, avec un thème un peu plus ancré que faire ses mots croisés. Voilà. Et ça faudra. T'as préféré lequel des deux? Ben, c'est difficile après la découverte d'un jeu de dire celui-ci est mieux ou moins bien. Ce qui est mieux, c'est de le découvrir en fait. Perfect World déjà fait un peu penser à Connect Team. Voilà, là ça va un tout petit peu plus loin et vous pourrez le découvrir pas avant Cannes. Il sortira que l'année prochaine celui-ci. D'accord, impeccable. Eh ben merci beaucoup à tous les deux. On va en rester ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire des retours, des commentaires, des pouces. C'est toujours intéressant de savoir à chaque fois ce que vous pensez de ce qu'on dit et surtout des jeux auxquels on a joué. Il me reste à vous souhaiter bien une bonne journée, puis à bientôt sur la chaîne. Ciao. Bonjour.